So hello guys, I'm still in Paris and I didn't manage to get my train today because of this day. I've been to an event organized by Africana magazine. So Africana is a web magazine dedicated to Afro designs, contemporary art, and tonight they celebrated their first anniversary. So there were all kind of performances and I really had a great time. So I'm really glad I actually missed my train today. And this is the footage I got from the event. Ce soir, on était au Lavoir Moderne pour fêter les 1 an de la revue Africada. C'est une revue online, une revue d'art contemporain dirigée par un collectif d'artistes activistes qui défend en fait les artistes issus des pays du Sud et qui dialogue en même temps avec les artistes et les institutions des pays du Nord. Le cinéma africain n'existe pas encore et que c'est à nous, cinéastes africains, qu'il en revient à la charge de l'inventer. Je suis à la recherche de mon cinéma. Ce soir, on a montré une sélection d'artistes dont on a parlé pendant toute l'année dans la revue. Et donc, il y avait la première partie était centrée sur les vidéos d'art. Et la deuxième partie était sur des lectures performatives avec des performances. Effectivement, ce soir, les artistes qu'on a vus, c'est des artistes qui ont une écriture aussi bien sur le plan de la vidéo que sur le plan du texte, très orienté, très avant-gardiste. La première fois virtuelle via les réseaux sociaux, comme le partage de photos sur Internet. Ma réputation, mes bobos, mon exil. La revue, on est vraiment orienté sur ça, c'est-à-dire vraiment faire dialoguer les différents médiums, s'exprimer avec des gens qui cherchent au travers les différentes disciplines, aussi bien par rapport à tout ce qui est lié au nouvel langage cinématographique qu'au niveau du langage, au niveau du texte, comment faire vivre un texte, comment l'habiter avec les autres disciplines. Voilà, mon travail, vous allez pouvoir. Je voulais m'intéresser à la sexualité de la femme noire. Les deux déclics furent Joséphine Baker, dans un premier temps, et Julia Chanel. Moi, je suis cinéaste à la base, donc j'ai présenté un film expérimental en Super 8 qui s'appelle Déambulation carnavalesque, qui est en fait un dialogue avec un artiste, J1, qui vient lui du graffiti, mais qui en même temps fait de la musique un peu expérimentale. Et l'idée de ce film, qui est un film en muet, en Super 8, c'est à chaque fois, tout le temps, de travailler avec un musicien ou un artiste DJ qui s'imprègne, qui adopte en fait ce film et qui fasse une composition live spécialement pour chaque événement et qui dialogue en fait avec l'espace suivant où le film là où il est projeté. Et quand je sors tous ces albums tirés de mon terroir, je peux voir dans le miroir tout ce chemin parcouru, quelquefois dans la nuit, quelquefois dans le noir. L'année prochaine, on prépare en fait, la revue va passer en publication en revue papier. Donc c'est pour ça que quelque part en attendant, il est important pour nous en tant que revue numérique, c'est une revue trimestrielle, de dialoguer à chaque sortie de numéro avec le public qui nous suit et qui nous lit sur Internet.